Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer le temps d'enregistrement sur Edison. Donc ici, on a fort, et ici on a le temps. Et en fait, ici, vous pouvez changer le temps d'enregistrement. Donc forever, c'est pour toujours jusqu'à tant que vous avez de l'espace sur le disque dur. Ici, c'est 1 minute, 3 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Ici, c'est en mégabits. Donc 50 mégabits, 100, 200, 500 et 1 giga. Et donc là, vous pouvez changer si vous voulez faire plus ou moins des longs enregistrements. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'autres sujets de vidéo. Et au revoir.